souhaite vous saluer ce vendredi après-midi, je dirais vendredi soir, car il est 18h45 heure de l'Ohio. Je suis bel et bien à Columbus, Ohio. Aujourd'hui donc, je viens répondre à une question, c'est la question 2029. La question 2029 a un rapport avec qu'est-ce que c'est un esprit des ténèbres? Je viendrai donc vous répondre à cette question. Armé des connaissances que j'ai puisées d'abord de mes propres expériences, également d'une étude comparée avec les documents tétralogiques de M. Platon qu'il a reçus auprès de l'un de ses maîtres, Socrate, et de Démocrite, en passant également par d'autres connaissances qui ont été bel et bien cachées dans des poèmes écrits par lui-même, Platon, qui m'intéresse ici. Je vais donc vous donner par comparaison ce qu'il avait vécu comme initiation pendant les 10 ans qu'il a passé en Égypte, et également mes expériences à moi sur cette question de ce qu'on appelle réellement les esprits des ténèbres. Mais avant cela, nous allons ici apprécier le son, qui est un son que vous connaissez tous, que j'avais reçu de mon frère de Bouetemisoko. Merci. Allons-y. Merci bien.
Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Soyez tous bénis et bon début de week-end. Alors, il y a deux questions qui ont été posées. Mais la question qui va garder le thème de ce jour, quand vous allez vous réveiller, c'est la question sur qui sont les esprits des ténèbres. Et la deuxième question, naturellement, est la suivante. Elle a été posée dans le forum, mais je tenais quand même à pouvoir ramener cette question. J'ai répondu en partie, mais j'aimerais bien rentrer dans les détails encore. C'est une question très importante, qui est celle de savoir que est-ce que le fait d'avoir harmonisé tous nos corps subtils et les corps principaux qui contribuent à notre élévation spirituelle afin de devenir un avec le tout, pour ne pas dire de créer cette unité avec le divin, est-ce que cela veut dire qu'on atteint l'immortalité? Est-ce que pour atteindre l'immortalité, la condition consiste à harmoniser tous les corps et de devenir un avec le tout? Est-ce que cela suffit? Nous allons commencer par la première. Mais en réalité, qu'est-ce qu'on appelle esprit des ténèbres? Un esprit des ténèbres, pour votre information, comme le mot le dit, c'est-à-dire que c'est un esprit qui n'est plus en harmonie avec la lumière. Un esprit des ténèbres, s'il faut comprendre, allons-y voir un peu ce que le dictionnaire dit avant que je ne vous donne ma définition sur la base de mes recherches, de mes expériences, recherches basées bien sûr sur Platon que j'ai bien étudié, parce que pour votre information, Platon a passé plus de 10 ans en Égypte. Il a rencontré Socrate qui a été initié également dans des rites égyptiens. Et donc, malheureusement, le maître de Platon va mourir et c'est ce qui va précipiter son retour en Égypte. Et puis, ce Platon, effectivement, il a écrit beaucoup de dialogues et ces dialogues, ce sont des poèmes. Mais c'était des poèmes qui ne sont autres que des messages codés et secrets, des rites initiatiques et des techniques secrètes qu'il avait cachés, tout comme Pythagore, n'est-ce pas, avait également utilisé des codes, notamment le code des 13 règles d'or ou les paroles dorées de Pythagore. Platon en a repris et a écrit ça à sa façon. Il s'agit de 13. Bref, je vous amène là-bas pour dire quoi. Il a créé finalement une science qu'on appelait la tétralogie. La tétralogie, c'était la science mystico-spirituelle que Platon a inventée pour pouvoir justement cacher les vérités initiatiques. J'ai donc fait des recherches, et il a d'ailleurs également été initié au rite funéraire d'Isis. Les rites d'Isis, mais c'est plutôt les rites funéraires d'Osiris, lequel rite également j'ai subi. Ça, on continue, ce rite existe jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller en Égypte, car il y a la possibilité de subir votre initiation d'Isis chez vous-même à domicile. Il suffit de connaître les rouages et les codes. Donc, quand je vais d'abord voir la définition que Robert nous donne sur les esprits des ténèbres. Définition de esprit des ténèbres. J'avoue que je vais la découvrir comme vous. Définition d'esprit des ténèbres. Les ténèbres. Et les religieux, bien sûr, vont aussi l'attribuer à la religion. Bien, qu'est-ce qu'un esprit des ténèbres? Esprit des ténèbres non masculin singulier, invariable, qui a malheureusement un sens figuré. Et pourquoi on l'attribue au diable? Synonyme en fait du mot esprit des ténèbres, c'est modifié. Jusqu'ici, ils ne peuvent pas vous donner une définition exacte. Voyez-vous, c'est cela le problème. Il n'y a pas une définition exacte. Allons-y voir comment Robert définit. On va faire des recherches. Dictionnaire Robert.
esprit des ténèbres. Bien. Les choses spirituelles de l'aveuglement de l'esprit et que esprit des ténèbres veut tout simplement dire des esprits qui sont aveuglés. Ils ne trouvent toujours pas. Enfin, ça c'est leur façon de définir. Maintenant, je vais vous donner ma définition. Un esprit des ténèbres, c'est qui en fait? C'est quelqu'un qui avait un initié, c'est-à-dire quelqu'un de grande connaissance, qui avait des capacités à travers d'abord, un, l'auto-initiation. L'auto-initiation, c'est ce que j'appelle l'initiation douce. C'est une formation que vous subissez chez vous. Un, il a eu donc cette auto-initiation sous couvert de l'initiation douce, comme l'a fait Platon. Platon avait reçu son auto-initiation auprès de Socrate, car Socrate avait déjà, n'est-ce pas, écrit ses rudiments. Et c'est ce qui faisait de Platon, de Socrate, de Démocrite, qui est l'auteur de l'atome, de Pythagore, que nous connaissons pas mal, des formules mathématiques et tout ça, lesquelles d'ailleurs, ils avaient reçu de l'Égypte, hein, je vous informe. Donc, ce que Pythagore vient en parler, bon, c'est le secret de personne. Hein. Quand on parle de son initiation pythagoricienne, les 13 règles dorées, mais en fait, les ont puisés en Égypte. Bref. Donc, un esprit de ténèbres, c'est tout simplement quelqu'un qui avait atteint, à travers d'abord l'auto-initiation, cette auto-initiation, pour votre information, Maître Birinde, le prince Birinde, dans son premier livre original qu'il avait écrit en 1957 et publié au niveau des éditions L'Harmattan en 1959, avant d'éditer ou de publier ce livre à L'Harmattan, aux éditions L'Harmattan, ils avaient donc retiré tous les secrets que le maître Birinde avait donnés. Je vous ai dit, ce livre, je l'ai. C'est là-dedans que vous faites ce qu'on appelle l'auto-initiation. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un temple, dans un bandial et recevoir l'initiation auprès d'un ganga. Vous-même, le maître Birinde a donné toutes les recettes, le dosage qu'il vous faut, le genre de natte qu'il vous faut, fait à base de végétaux, le genre de tissu qu'il vous faut porter, le nombre de jours qu'il faut jeûner pour faire la préparation. Bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc, et c'est cela, l'auto-initiation également, que ces mecs ont reçu. Donc, un esprit de ténèbres, c'était un initié qui, un, a reçu d'abord l'auto-initiation, de deux, il a reçu la grande initiation ou l'initiation forte. Allez suivre mes vidéos ici sur cette chaîne YouTube intitulée « Quelle est la différence entre l'initiation douce et l'initiation forte ?» Et d'ailleurs, ceci me permet de répondre aux jeunes qui paniquent et qui ont peur d'aller se faire escroquer par des fonds ganga. Je leur recommande donc de rentrer dans l'initiation douce, laquelle j'excelle et je suis expert dans cette initiation douce. C'est-à-dire, c'est l'auto-initiation. Vous avez besoin effectivement d'un guide, des explications pratiques dont vous n'êtes pas obligé de passer par des absorptions, des anabolisants ou des plantes ou je ne sais quoi. Cet esprit donc des ténèbres, c'est ce frère, cette sœur qui était déjà initiée, qui avait atteint un niveau initiatique très élevé. Il faut bien le retenir. Il a même créé une grande loge maçonnique qui s'appelle le Panthéon, qui s'appelle le Sphinx. C'est un initié également qui avait les pouvoirs. Il avait les pouvoirs d'argent. Son âme était tellement élevée. Il était, riche. Matériellement, disons financièrement, il avait le pouvoir politique, pouvoir des femmes, pouvoir de tout. C'est ce frère, cette sœur, qui était un grand initié. Mais malheureusement, lorsque ces mecs-là, parce que quand vous avez le pouvoir politique, pouvoir des femmes, coucher toutes les femmes qui viennent à votre portée, et pouvoir politique, vous êtes exposé à faire des rites, hein? Faire des sacrifices
Toutes ces histoires-là, il faut être initié, n'est-ce pas? Un président qui n'est pas initié, il va se contenter comme l'un des présidents que j'ai connus. Je crois, quel s'appelle ce pays-là? Je crois Burundi, qui était un pasteur. Et même étant pasteur, il y a certains pasteurs qui, pour la plupart, la majorité, signent des contrats dans des sectes. Ils sacrifient leurs femmes. Ils sacrifient les leurs. Pourquoi? Pour pouvoir créer la loi de la compensation. Parce qu'on leur donne tout. Ils ont accès aux grandes chaînes, ils ont accès à des jets, ils ont accès à tout l'argent. Bref. Donc, un esprit des ténèbres, c'est aussi un pasteur, un prêtre, un homme de Dieu qui avait atteint un grand niveau. Et ici, il s'agit d'un initié. Or, un initié, c'est dans tout le sens. Le mot initié est variable, valable dans le plan religieux et dans le plan mystico-spirituel. Donc, ayant atteint ce niveau, où il avait toutes les connaissances. Mais malheureusement, à cause de tout ce qu'il a commis comme violation des principes, sacrifier les pauvres femmes, tuer, envoyer, faire des crimes rituels, mater, tuer des gens, sans aucune pitié, donner des ordres, le pouvoir le saoule. Et comme le disait un parent, Jabot, on l'appelait, Jules Aristide Bourdais Sokolikende, il avait dit, le pouvoir, pour certains en Afrique, est une forme de drogue. On ne peut plus s'en passer. Mais voilà, cet homme qui était un initié, qui avait toutes les capacités. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il quitte ce monde, rassurez-vous, est-ce que le temps va me permettre de vous parler les différents plans? Partant du royaume des morts, aller au niveau de la zone où se trouvent les esprits confirmés, où se trouvent les initiés, aller finalement dans les plans célestes, où se trouvent les génies de toute origine, les génies de lumière, avant de continuer dans les plans des illuminés, c'est-à-dire où se trouvent les grands esprits de lumière. Et tout ça, c'est le parcours que vous et moi, nous pouvons suivre, justement. Parce qu'un maître invisible n'est pas un ange que Dieu a créé. Un maître invisible, c'est une entité désincarné, mais qui est passé par ce cycle, partant des plans intermédiaires, les plans célestes, hein, où se trouvent les esprits de lumière, et partant dans les plans des illuminés, dans les plans de l'illumination, où se trouvent ceux-là qui baignent dans la grande lumière divine, avant de monter au cinquième rayon, à côté du grand esprit. Là, vous allez atteindre l'immortalité. Vous comprenez? Donc, vous et moi, nous pouvons passer par là. Mais cet esprit de ténèbres, c'est ce frère et cette sœur qui a voulu abuser du pouvoir qu'il avait, initier des grands mystères. Finalement, que se passe-t-il? Mais il perd les pouvoirs, il perd ses privilèges. Les maîtres invisibles, donc, sont obligés de l'envoyer dans le monde des ténèbres. D'accord? Mais ce monde des ténèbres, c'est quoi? Mais il est privé de la lumière. Il est privé, n'est-ce pas, de la lumière divine. Parce qu'il en a fait trop le mal. Il n'est pas en enfer. Il n'est pas au purgatoire. Non, pas du tout. Parce que dès qu'il transite par le royaume des morts, lorsqu'il va quitter le royaume des morts, il se retrouve dans ce plan astral. Et là où il y a les esprits, nos ancêtres, c'est-à-dire les entités. Parce que quand vous mourrez, vous devenez une entité désincarnée. Vous atteignez un grand niveau. Les ancêtres continuent à gravir tous ces plans-là. Donc, ce monsieur et cette dame, lorsqu'ils vont quitter ce monde, qu'est-ce qui va se passer? Même quand les ancêtres vont le recevoir, ils disent « Ah, toi aussi, tu en as trop fait. » Ils vont le recevoir avec froideur, mais à cause du lien, du cordon ombilical ancestral, ils vont le recevoir. C'est normal, ils le reçoivent au royaume des morts. Mais après, face au chef de mort, dans chaque plan, il y a des chefs.
Dans chaque plan, il y a ce qu'on appelle le border. C'est-à-dire, il y a, comment on appelle ça en français? Il y a des zones douanières. Donc, vous êtes bloqué tout de suite après la première zone douanière. On vous dira non, monsieur. J'ai même donné un enseignement où j'explique qu'on vous montre votre film de votre vie. Depuis l'aéroport, avant de décider de la destination, pas finale, mais la destination intermédiaire pour aller soit au niveau du plan astral là-bas où il y a des esprits évolués, ou de continuer dans le plan céleste, c'est-à-dire où se trouvent les esprits de lumière, ou bien continuer au niveau du plan des illuminés. Je ne parlerai même pas des plans de qu'on appelle le monde divin, des élus, qui sont devenus des dieux, parce qu'ils sont devenus des immortels, avant de revenir. Donc, un esprit des ténèbres, c'est cet individu-là qui, de son vivant, a maltraité les gens. De son vivant, il a fait le mal aux autres. Donc, Dieu décide de lui donner une réincarnation. Il lui donne l'opportunité de se réincarner. On appelle ça une incarnation vacancière en vue de venir apprendre. Voilà pourquoi, dans nos enseignements initiatiques, nous disons la planète Terre est une planète où nous venons apprendre. Nous venons apprendre. Oui, c'est une école. La planète Terre est une école où nous venons apprendre. Ça, il faut le retenir. On n'est pas venu ici pour jouer. On est venu pour apprendre. Donc, voilà ce mec. C'est un mec qui est un esprit de ténèbres. Et maintenant, lorsqu'il revient après son incarnation, son souvenir d'initié, il a oublié. Contrairement à vous, à moi, qui faisons des efforts de ne pas faire le mal, de maintenir ceci jusqu'à ce que nous transitons. Lorsqu'on se retrouve là-bas, les maîtres invisibles qui sont des êtres désincarnés, évolués, vont décider que non, Tataura, Mama Dipoukou, non, on a encore besoin de toi, il faut repartir. Et quand Mama Dipoukou revient, dans le ventre de sa nièce, les parents se regardent. Ah, mais la dame là nous rappelle Mama Dipoukou. Elle rigole. Elle a le souvenir. Mais ça prend un certain âge. Mais c'est à partir de 7 ans que le souvenir commence à déclencher. C'est-à-dire, vous verrez que Mademoiselle Dipoukou, à l'âge de 7 ans, elle se tourne toujours vers les plantes. Ah, mais comment elle connaît ces zones-là? Mais toi, tu étais ici avant. Toi, tu es le vampire. Hein? C'est pour cela qu'il faut éviter de dire aux enfants, tu es le vampire, tu es sorcier. L'enfant là, non, on dirait que c'est notre grand-mère qu'on avait donné le nom. Et même Madame Dipoukou va se révéler. Voilà pourquoi nous avons une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de nomination ou la cérémonie où il faut donner le nom. Il y a certains qui m'ont consulté, c'est payant. On fait la composition pour voir, composer, voir papa, papa. Il faut toujours mettre les noms des grands-parents. Et nous, les initiés, on vient confirmer que oui, c'est Mademoiselle Dipoukou. Bref, malheureusement, pour cet esprit des ténèbres, qui était un ancien président, un ancien ministre, un ancien quelqu'un, mais qui était initié des grands mystères, qui était nanti de tous les pouvoirs, mais qui vous intéresse, qui aimait faire le mal aux gens. Vous étiez un enfant gâté, l'enfant des chefs d'État, mais vous avez tué les gens, vous avez participé à tous les crimes, des drogues, des conneries, des bésodromes, et gauche à droite, choses là. Vous deviendrez un esprit des ténèbres. Ceux qui s'en souviennent de mon combat politique, j'utilisais toujours le mot « un royaume barbare venant tout droit des ténèbres ». C'est une expression qui veut dire tout simplement que les gens qui dirigent, lorsqu'ils n'ont pas de l'amour pour les gens, lorsqu'ils prennent plaisir à faire souffrir les autres, lorsqu'ils prennent plaisir à mater les gens, lorsqu'ils prennent plaisir à priver les autres de la véritable démocratie, lorsqu'ils volent et trichent des élections, lorsqu'ils privent le peuple du travail, du pain au quotidien, des bourses, de ceci et cela, et que la somme, savez-vous qu'il y a certaines initiations, vous rentrez dans certains millions, vous initiez à se nourrir des énergies de ceux qui émettent les souffrances, ceux qui pleurent, la somme des pleurs, la somme énergétique des pleurs, des complaintes, c'est-à-dire des plaintes et des réclamations, tout cela dégage une énergie dans le monde éthérique, et ça c'est pour nourrir justement ces hommes qui sont au pouvoir, qui sont des initiés que j'appelle des esprits des ténèbres. Vous avez compris? Maintenant donc,
Quand cet esprit de ténèbres revient sur terre, les dieux, les génies décident que bon, il doit revenir. Il va plus s'en souvenir de son passé initiatique parce que on va lui donner, pour lui, sa vie reprend à zéro. Alors que c'est quelqu'un. Mais à un certain âge, souvent c'est entre l'âge de 44 ans ou 55 ans, il y a des petits flashs qui reviennent. Donc voilà ces gens-là qui étaient attirés par le pouvoir, argent, femme, et tout, prenant plaisir au malheur des uns et des autres. Ce sont ceux-là qu'on appelle les esprits des ténèbres. Vous avez compris? Parce que vous, en tant qu'initié, il faut comprendre une chose, que tout ce qui rend à l'initiation, et quand on parle d'initiation, c'est-à-dire de la grande connaissance, la découverte de soi, de la reconnexion avec le retour, et quand on parle du retour aux sources, ce n'est pas forcément aller s'initier au village, parce qu'il y a tellement de macros. Retour aux sources, je vous l'avais dit la dernière fois, que toutes les traditions ont une seule origine. Retour à l'essence. Retour à l'esprit fondamental. Moi, je ne vous le cache pas, sur mes 32 initiations, 90%, ce sont des initiations occidentales, orientales, donc chinois, indien, japonais, quelques français et allemands. Voyez-vous, c'est là où j'ai reçu toute ma grande formation. Je vous cite des noms, M. Pierre Manouri qui vient encore, M. Vincent Derkaoui, hein, et qui sais-je encore, France Bardon, plutôt Albert Fréon, Madame Carrel, il y en a plein, ils sont nombreux comme ça. La liste est longue. Donc, l'initié a la capacité, lorsqu'il est sur la voie, lorsqu'il suit à la lettre tous les principes, il a cette capacité-là de pouvoir communier et de communiquer, de converser avec les esprits de l'au-delà. Et oui, vous n'avez pas besoin de consommer le bois sacré. Vous communiquez directement avec eux. Moi, je le fais sous couvert de la méditation transcendantale. Cela, à travers ma méditation transcendantale, c'est là où j'ai reçu, en fait, la grande initiation. La grande initiation veut dire, c'est là où j'ai réussi à converser directement avec les esprits, surtout les maîtres invisibles. Et je le répète que les maîtres invisibles, ça peut être votre grand-père, mais qui, des cycles incarnatoires en cycle incarnatoire, est devenu un ancêtre très puissant et devenu un être désincarné, mais qui n'a plus de point de retour ici-bas. Il le peut occasionnellement. C'est ce que j'ai appelé le cycle incarnatoire par phénomène prototype, par le phénomène du prototype. C'est-à-dire que dans les arcanes secrets, des arcanes secrètes au niveau des archives akashiques, il y a le robot original dont tout le concept et le disque original est là, c'est sauvegardé, mais on peut multiplier des années et des années, des milliers d'années, continuer à reproduire la même chose, mais le prototype, il est identique, il est là. Mais ça ne veut pas dire que d'incarnation en incarnation, le nom continue de père et fils, mais c'est toujours Monsieur Mabako, Monsieur Mabako. Or, des fois, Mabako s'est désincarné, c'est fini, il est devenu un immortel. Voilà le grand mystère de Theta Mwang. Mais rien n'est mystère si on comprend ces choses. Nous, on comprend ces choses. Donc, vous, en tant qu'initié, il faut comprendre. Ou non initié. Lorsque vous allez rentrer dans la grande, dans l'école de l'éveil de votre conscience divine, quand vous allez rentrer dans l'école de cheminement de la découverte de soi, quelle que soit la voie que vous allez embrasser, que ce soit la voie platonique à travers cette tétralogie. Parce que moi, j'ai lu près de 64 tétralogies de Platon. Ces tétralogies, ce sont des dialogues sous forme de poèmes. Je les ai tous avec moi, là, en grec et traduits en anglais. Je les ai étudiés depuis 1999 que j'étais rentré en possession de ça. Et lorsque je fais un tour en Égypte, en 2009, après mon voyage en Israël, avec la délégation des frères pasteurs et autres, j'ai profité. Pour ceux qui sont aux États-Unis connaissent le monsieur, malheureusement, il n'est plus des nôtres. Daystar, le fondateur de Daystar. Je vous avais montré le drapeau, je vous avais dit combien je payais. Tous les 6 mois, il fallait donner 1000 dollars et en récompense, vous partiez voyager. C'est là où je découvre tout les tétralogies de Platon, à l'origine. Mais aujourd'hui, c'est conservé. Vous savez, Alexandrie, c'était le grand centre, la grande connaissance. Bref, donc,
Quand vous allez parcourir très bien ces ouvrages-là, vous allez comprendre que, en fait, les esprits des ténèbres, ce ne sont pas des démons. Non. Ce n'est pas des démons. Et vous serez surpris, je vous l'ai déjà dit. Les démons, vous êtes atteints de la perfection. Et d'ailleurs, il y a un synonyme, il y a un autre, là, qu'on appelle les daimons. Les daimons, ce sont des entités bien évoluées qui maîtrisent le bien et le mal, qui sont là pour nous aider à évoluer. Et donc, Lucifer fait partie de cette famille-là, les esprits de lumière. Donc, pour conclure que les entités désincarnées vivant dans les plans célestes et divins sont passées, comme vous et moi, à travers l'initiation. L'initiation, c'est tout simplement la reconnexion, le retour de là où on était, parce que nous sommes perdus, parce que nous avons péché, diront les religieux. Et donc, nous allons maintenant franchir un pas qui consiste à partir de l'initié simple à une classe. Donc, on évolue, on devient un être désincarné. On va se retrouver donc au milieu des génies. Mais là-bas, au niveau des génies, ils peuvent décider de nous faire retourner. Et quand ils nous font retourner, c'est pas, on va toujours avoir le souvenir. Je vous ai dit, moi, je suis à mon une troisième incarnation consciente, mais parce que j'ai comme l'impression qu'il y a près de 207 ans, je répète, je fais la même chose. Mais cette impression a été confirmée dans mon initiation maintenant, dans le Boété. Voilà, l'initiation forte m'a permis de manière brutale pour confirmer ce que je soupçonnais à travers d'autres initiations, comme en fait, j'ai déjà été ici. J'étais déjà ici. Je n'étais pas seulement au Gabon. J'étais quelque part. Et lorsque Ratos, le professeur de mon éminent grand frère, il m'a dit, il ne faut plus trop citer mon nom, que vous connaissez très bien, professeur, il est de ma famille, un cousin, il fut l'élève de M. Ratanga, appelé alias Ratos, qui nous explique en fait notre origine, l'origine des Adjumba, des Edongo, et bien d'autres peuples, et même les Pindi et autres, nous venions du lac Tanganyika, les Membe et autres, tout cela. Il y a des gens qui maîtrisent ces histoires-là, mais moi je préfère parler beaucoup plus du peuple. Au commencement, nous étions Edongo, et même ce grand frère qui enseigne à l'université a écrit des ouvrages là dans ce sens-là. Au commencement, étaient les Edongo avant d'être les Galois. Les Adjumba, les Sekeani, les Galois, nous avons une histoire qui est bien connue. Nous sommes partis du lac Tanganyika, qui plus tard deviendra Tanzanie. Je vous l'ai toujours dit. Donc, de par cette évolution, les connaissances que nous avons ont une source originale. Et c'est ainsi qu'on évolue d'être de lumière, on s'incarne, et puis on revient selon la volonté des maîtres invisibles, et puis on gravit, on devient un esprit évolué, un génie. On peut aider les nôtres qui sont derrière, tout comme on aide ceux qui sont ceux qui viennent là-bas, qui vont là-bas. On les aide également à évoluer et avancer. Et pour nous pouvoir avancer dans les plans célestes. Mais ces plans célestes sont habités par qui? Mais ce sont les génies de toutes sortes, des origines diverses, des origines des génies des Lumières, qui viennent de France, qui viennent du Gabon, du Congo, mais là-bas, on ne reconnaît plus la race, parce que l'esprit ne connaît pas la race. Nous nous reconnaissons par nos noms et par nos parlers. Et puis, on peut s'amuser. Parfois, je vous ai fait le témoignage ou quelqu'un que je ne connaissais pas, mais il venait de l'Angola, qui s'est présenté, un ancien militaire. Et ainsi, vous allez évoluer. Vous pouvez également, conscient dans ce corps matériel, vous pouvez faire des incursions dans toutes ces dimensions. C'est ça les avantages que vous avez lorsque vous harmonisez votre vie à travers l'harmonisation, le travail des quatre esprits. Ce qui va m'amener donc à répondre à la deuxième question, mais il y aura une deuxième partie, je ne vais pas être trop long sur ceci, je vais m'arrêter ici en 35 minutes, pour que je puisse répondre maintenant à la deuxième question. Donc ça fera l'objet d'un enseignement de la deuxième vidéo après celle-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. Maintenant, si vous avez des questions sur cette affaire des esprits des ténèbres, je n'ai pas insulté quelqu'un. Esprit des ténèbres, ce n'est pas un démon. Arrêtez de penser comme les religieux. Un esprit des ténèbres, c'est un homme, une femme, comme je vous l'ai dit. Veuillez suivre la vidéo du début à la fin et vous verrez que ma définition, si vous faites un peu de recherche, vous allez chercher les tétralogies des volumes 4, 5, 7, 11, avec les différents chapitres. Quand je parle des tétralogies, ce sont les dialogues de M. Platon qu'il a écrit. Allez-y également me lire les livres, les paroles dorées de Pythagore, n'est-ce pas? Tous ces ouvrages, les aimes. Des centaines. Solon a écrit, Socrate a écrit, Démocrite. Il ne partait pas seulement faire des études de sciences en Égypte, bien que c'était le monde de l'Inde, comme les Américains disent, c'est là-bas, le cœur même de la planète, où tout le monde allait apprendre.
Mais sauf que tout avait disparu. Vous vous en souvenez qu'Alexandrie, à l'époque, était le grand centre. Hein? Selon Ptolémée Sauter, qui était ce type-là, lequel on a pris l'effigie, on a créé l'effigie de Jésus, à l'époque, bien sûr, hein? Avant que l'acteur italien là ne vienne. Mais Ptolémée Sauter, qui était soi-disant l'un des pharaons blancs, il n'a rien à voir, alors que nous savons, l'Égypte, c'est dans les années 640, là, tout récemment, qu'il y a eu le mixage qui a commencé, car les Arabes vont s'emparer de cette zone qui, pour la plupart, c'était des Blancs. Bref, et même quand vous vérifiez bien les Pythagores, en réalité, qui étaient-ils? Platon et tous ces mecs-là. Bon, bref, ça, c'est un autre objet de discussion. Je vous donne seulement des références pour vous encourager à la recherche. Maintenant, ceux qui ont trop à avoir des doutes, je vous dis, je suis un initié, je ne me contente pas seulement de faire des expériences de méditation, de sortir, de biloquer, puisque je maîtrise toutes ces techniques, ou bien rentrer en communion avec des esprits ou des talismans que les gens commandent en Inde, à gauche, à droite. Ce n'est pas seulement cela, mais c'est aussi la recherche, c'est aussi l'étude. Je vous dis, j'ai des milliers d'ouvrages, j'ai des milliers même de parchemins qui je n'ai même pas comment, je ne suis peut-être qu'à 300 que j'ai lus. Que j'ai même peur, parfois ça me donne la chair de poule. Il faut faire un travail de jeûne et tout, et tout, et tout. Il faut se purifier, il ne faut pas toucher la femme pendant 90 jours, des trucs comme ça. Ce qu'on appelle des grimoires. Les grimoires qui sont des grands livres de haute sorcellerie, de haute magie. Bref, tout cela, ça fait partie de votre bagage intellectuel, mystico-spirituel. Et que pour maîtriser le monde des esprits, eh bien, vous avez compris. Pour maîtriser ce monde, il faut être en harmonie, il faut respecter le serment. Vous êtes devenu maître de la franc-maçonnerie, vous êtes devenu maître de la rose-croix, mais maintenant, le pouvoir est entre vos mains, vous commencez à coucher, à faire le désordre, à détourner des sous, à tuer les pauvres gens innocents, puisque vous avez compris, vous avez atteint le même niveau que votre homme serviteur a atteint, c'est-à-dire que le bien et le mal marchent ensemble, alors je vais sacrifier les humains pour mon propre plaisir. Non, le niveau où je suis, je ne peux pas sacrifier un être humain pour une raison de plaisir ou une raison égoïste. Cet être humain est sacrifié sûrement pour une raison bien précise. Puisque à chaque élection, même ici aux États-Unis, des centaines de mecs meurent. Mais est-ce que vous savez que c'est caché derrière? Parce que ces entités ont besoin d'être nourries. Bref, c'est juste pour vous dire qu'on ne fait pas ces choses pour le plaisir. Sinon, vous allez devenir un esprit des ténèbres. N'importe qui, vous êtes étudiant. Vous pouvez devenir un esprit de ténèbres. Vous partez vous initier à Mumbuiri, vous partez vous initier au Bouiti, mais vous continuez à faire le mal. Vous gardez des crânes des gens n'importe comment. Sauf si c'est votre père, votre grand-père qui vous a laissé ce crâne. Mais si vous participez, un ministre qui va être nommé, quelqu'un va être nommé, il va être grand milliardaire. Maintenant, vous demandez le crâne et vous vous précipitez. Vous allez tuer une jeune fille, la voir souffrir, prendre son vagin, faire sécher ça. Ça, c'est des choses qui feront de vous plus tard un esprit de ténèbres. Mais le démon n'est pas un esprit des ténèbres. Il faudrait que ce soit clair. Alors que votre compréhension change aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui veulent argumenter ou discuter, veuillez me prouver dans la Bible qu'un esprit des ténèbres, c'est un démon. Ça, c'est un jeu de mots. Vous comprenez? Le démon, j'ai déjà expliqué ce que c'est. Au niveau où je suis, ça n'existe pas. Parce que si ça existe, je dirais que vous êtes des démons également. La preuve en est que vous ne pratiquez pas ce que vos paroles sacrées disent, que ce soit la Bible, le Coran et autres. Ça, je ne suis pas là. Je suis ici pour motiver les gens, quelle que soit votre appartenance religieuse, de pouvoir expérimenter un peu les vérités que je vous donne, soit par la recherche, soit par la pratique. Et je propose la pratique. C'est le séminaire. Invitez-moi pour qu'au cours du séminaire, je puisse vous déballer. Bon, bref, je ne vais pas trop parler ici. Je vais vous amener à la deuxième vidéo tout à l'heure sur la question qui a été posée là. Je vais répondre à celle-ci. Allons-y, suivez-moi. Que Teta Mwangadi, Banga Banga vous bénisse. Merci beaucoup. Merci encore.